Inauguré en 1894, le funiculaire Côme Brunaté, autrefois à vapeur, fonctionne depuis 1911 avec un moteur électrique. Il traverse un long tunnel avant d'émerger avec une vue panoramique sur le lac de Côme et ses environs. Le trajet fait 1084 mètres, avec une pente maximum de 55% pour un dénivelé de 500 mètres et une durée de 7 minutes. La météo n'est pas fameuse pour un mois de mai. Chacune des deux cabines à l'inclinaison caractéristique fut transportée par camion. Nous voyons là un des vestiges de la machine à vapeur d'origine. Le Stadio du Club de Côme 1907, construit dès 1925 sur ordre de Benito Mussolini, inauguré en 1927, il porte le nom du rameur et héros de guerre Giuseppe Sinigaglia, natif de la ville de Côme. À la sortie du village, un chemin bordé de belles villas conduit au belvédère, offrant des vues superbes sur le lac et les montagnes alentour. Sur le chemin du retour, cette petite fontaine au murmure rafraîchissant, la Fonte Pissarotino.
quelques arrêts intermédiaires aperçus ici, desservaient dans le passé des propriétés prestigieuses.